Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce sixième épisode sur Arc Scorchers. Alors on s'était laissé dans le dernier épisode, ben c'était enfin une rediffusion de live pour le coup. On avait échoué avec les golems, on était allé visiter des grottes et je m'étais rendu compte, ben c'était à peu près visible quand même, que je n'étais pas suffisamment équipé pour vraiment pouvoir me balader dans les grottes comme je le souhaitais. Donc, on va commencer cet épisode par un peu de construction. Alors bon, le canon est ici. J'ai refarmé quand même quelques ressources pour vous montrer un petit peu. Je pourrais même les supprimer si vous le désirez. Voilà, il y a des ressources qui ont été farmées un petit peu, notamment du fer. J'ai refarmé un petit peu d'obsidienne. Pareil pour de la poudre à canon. Donc si vous voulez que, si certains trouvent que c'est un peu abusé, que je me sois give un canon dans la dernière fois, même si j'avais demandé en live pour le coup, je peux tout à fait le supprimer, c'est pas un problème. C'est juste que ça a demandé du temps et que pour le coup, ben, je souhaitais faire avancer un petit peu le live et qu'on puisse tenter de au moins tame le golem. Mais bon, aussi bien je retenterai une autre fois et je vous montrerai ça dès que possible. En tout cas, c'est pas le but de ce live-là, puisque on va s'atteler à la construction et notamment à la partie qui va se trouver de ce côté-ci. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je souhaite réaliser. Donc, nous avons cette partie-là hein, qui sera la bibliothèque. Alors, il va falloir que je l'aménage, bien évidemment, que je fasse un petit peu de construction. Nous avons ici la zone où vont se trouver les volants. Donc, vous voyez que j'en ai commencé à en placer. Et puis, j'ai commencé à décorer un petit peu, à faire des éléments de telle sorte qu'on puisse se balader. Mais je veux maintenant utiliser cette partie-là, en faire une plateforme pour utiliser tout ce qui est éléments industriels et notamment passer au niveau supérieur en termes de construction. Et pour ce faire, bah, il va falloir déjà mettre une zone de piliers ici et qu'on continue un petit peu tout ce qu'il y a autour. Mais pour ce faire, il va falloir déjà les fabriquer. Alors, hop là, je fais un petit peu attention parce que sinon je saute n'importe où, je vais finir par me tuer. On va déjà aller fabriquer. Alors, je voulais vérifier quelque chose. Alors, généralement, je vais construire face à l'atelier, mais c'est juste normal. J'ai pas les piliers en bois. Ce qui m'embête un petit peu. Si j'ai pas pris les piles en bois. Voilà. Parce que je veux pouvoir tout simplement voir un petit peu les prix pour voir ce qui me coûte le plus en bois et ce qui me coûte le moins. Ouais, les piliers. Parce que j'ai quand même pas mal d'argile. L'argile se farme assez facilement, donc on va partir directement sur de l'argile. Pour le coup, donc on va transférer. Non, non, mais s'il te plaît. Voilà, merci. On va transférer de l'argile, si possible une grande quantité, du bois bien évidemment. Il va peut-être me manquer au final quand même pas mal de branchages, donc on va en transférer aussi. Donc on va déjà en fabriquer. Ouais, je vais pas avoir assez de branchages, c'est ça. Donc on va, hop là, retransférer. Je vais aller rechercher. Tu peux arrêter s'il te plaît, merci. On va retransférer un peu de branchage. Voilà, comme ça. Et je vais aller chercher du branchage. Ça sera parfait. Donc le but, ça va être déjà de mettre un premier pilier ici, que l'on décalera ensuite. On va détruire les piliers qui sont fabriqués, mais tant pis. Ça fait partie aussi du jeu. Heureusement, on retrouvera une moitié des ressources, donc en détruisant 3 piles, on devrait arriver à rester quand même sur un élément à peu près correct de piles. Donc, je veux mes piles, on va les mettre à la place des bolas. Pour éviter d'en user de trop. Le tout, c'est d'avoir un support qui soit stable en fait, hein, principalement. Voilà, je vais devoir. Ouh là, c'était un peu risqué ce que j'ai fait. Dommage, le saut raté. Saut très raté d'ailleurs. Donc on va aller chercher principalement du branchage. On n'a pas trop besoin. J'ai encore pas mal de.
pas mal d'argile, donc on va déjà fabriquer. Et puis on va faire donc cet aménagement et on va après ensuite partir pour fabriquer tout simplement le niveau au-dessus de l'atelier pour pouvoir avoir pour commencer sérieusement à envisager des constructions un peu plus intéressantes et notamment pouvoir refaire au moins ma gourde en anneaux en bioplastique. Au moins ça me permettra de pouvoir vraiment comme ça avoir des éléments un peu plus intéressants, puis pourquoi pas passer au fusil notamment. Alors peut-être pas pour le TAM, hein, parce que sinon c'est pas forcément toujours intéressant, même si ça permet d'avancer, d'endormir plus vite, etc., de se protéger. Mais c'est surtout pour aller se battre contre les mantis dans la grotte, et pour pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas au fond, puisque pour l'instant, on n'a pas pu voir bien grand-chose. Si ce n'est que c'est quand même très difficile d'y aller. Les flèches enflammées font leur travail, c'est très bien, mais ça coûte des ressources. C'est quand même des flèches qui sont assez chères, que je n'ai pas débloquées, je crois d'ailleurs. C'est juste des flèches que j'ai pu prendre comme ça. Donc forcément, je pensais avoir tout farmé et puis finalement pas tant que ça. Donc on va, hop là, voilà, j'aurai assez de branchages, on va pouvoir rentrer bien tranquillement. Alors j'ai retrouvé un Argentavis que j'ai renommé Serre. Hein. Généralement vous allez voir que les dinos, je les renomme du même nom que leurs prédécesseurs. J'avais trouvé un loup qui était plutôt intéressant niveau 22, mais malheureusement, je suis tombé sur un Carnot derrière, et juste au moment où le Carnot mourait, le loup mourait aussi, donc pas eu beaucoup de bol là-dessus pour ce coup-là. Sinon, j'aurais récupéré un morsure un petit peu intéressant. C'est pour ça que j'essaye de pas trop tamer. D'autres dinos. J'essaye de rester sur des dinos qui pourraient être intéressants. Ouais, je peux plus rapporter d'autres, tu vous allez me dire. D'accord, je suis bloqué en poids apparemment. Ouais. Bon, pourquoi pas. Donc en termes d'argile, pour l'instant. Argile, voilà. Il me faut des plafonds, on va en prendre 4, 5, ce sera pas mal. On va prendre des piliers qui vont me demander. Alors, on va voir ce qui va me manquer, mais je pense que ça va être de l'argile pour le coup. Là, qu'est-ce qui me manquait? De la fibre, d'accord. Ok. On va déjà aller se débrouiller avec ça. On va remettre ça un peu de côté temporairement. Ah oui, j'ai plus de. Ok. Je n'ai plus du tout. Je n'ai plus du tout d'argile. Est-ce que j'en ai encore là-dedans? Non, pas vraiment. Bon, on ira chercher du sable. On fera peut-être un peu rapidement de l'argile. Le tout, c'est que j'ai au moins la plateforme. Après, je pourrai me débrouiller. C'est pas trop un souci. Donc, il faut pouvoir se déplacer sur cette plateforme. Donc, déjà. Voilà. Je veux avoir un élément. Alors j'aimerais bien pouvoir être un peu plus large que ça, mais on va voir ce qui est possible de réaliser déjà. En théorie. Et là, je peux pas. Faut vraiment que je mette ce mode concernant le fait de pouvoir construire, même si on est dans les murs. Ce qui serait assez intéressant, je trouve. Après, c'est comme un peu tout. C'est pas toujours aussi évident qu'il y paraît.
Est-ce que tu veux bien aller en dessous, s'il te plaît? Ok, ça marche. Toujours un peu compliqué les constructions. Parce qu'il faut être quand même assez prudent et s'assurer. Non, je suis trop bas. Ok, là normalement je suis pris dans le mur, donc je devrais pouvoir détruire les murs, les constructions au-dessus sans que ça s'effondre. Enfin, j'espère. On va peut-être être un peu prudent, faire un peu d'argile et voir un petit peu pour les constructions. Donc on va les prendre. Mondo Edicurus. D'ailleurs, on le montrera ensuite. Parce que j'ai envie d'avancer un petit peu. Alors j'ai toujours pas fait les portes, hein. Ici c'est pas bien grave. Pour l'instant, j'essaye de progresser un maximum. Les portes, bon, de toute façon, vu que j'ai construit les portes, il n'y a plus de dinos qui spawnent trop proches. J'ai pas commencé à mettre des pics, etc. Mais là, on est quand même pas mal protégé. Donc, pas vraiment un souci. Voilà, pour qu'on puisse y voir un petit peu. En plus, je récupère l'extrait de cactus, parfait. Par contre, on ramasse du caillou en pagaille, ce dont je n'ai pas forcément besoin, malheureusement. Est-ce qu'on n'en profiterait pas quand même pour monter un peu le poids? Pendant que la nuit tombe. Faudra qu'on tame aussi un parasaur et qu'on aille essayer de tamer du trodon. Alors l'intérêt du trodon, c'est plutôt que c'est très hargneux et assez brutal comme bestiole. Mais il faut lui sacrifier un de vos dinos. Donc sacrifier un parasaur, ça me dérange pas. Alors que sacrifier d'autres dinos beaucoup plus utilitaires m'embêterait sacrément par contre. Allez, on va se rentrer. Il n'y a pas vraiment de rayon qui m'intéresse pour le moment. J'ai pas trouvé beaucoup de rayons jaunes. J'ai eu un rayon rouge qui est apparu pas très loin il y a de ça quelques minutes de jeu. Mais où est-ce qu'il est passé, Bouboule? Il est trop lourd? Ah, il doit être trop lourd. Chargé en sable, ça aide pas des masses. Ah, beaucoup de rayons bleus en ce moment de visible. Mais parfois, ben, comme celui qui est là-bas au fond, ils sont relativement très très loin. Et si on n'a pas un volant qui est rapide, même par exemple pour faire les trois rayons bleus, là, on pourrait les faire en volant. Mais ça peut être assez casse-pied, assez compliqué. Puis il n'y a pas vraiment des choses qui m'intéressent en ce moment. Je passerai plutôt sur du rayon violet et jaune en ce moment. Pour pouvoir vraiment avancer. Le vert à la rigueur pour essayer de trouver des éléments en argile. Non, il me suit pas, hein. Il a pas l'air d'être motivé à me suivre. Pourtant, je vais pas vite. Je crois que j'ai un peu trop chargé avec le sable. Ce qui m'étonne un petit peu, mais. Je sais pas avec quoi il est bloqué. Non, il est pas là. Où est-ce qu'il est passé? Si je lui demande pas de me suivre, il va peut-être pas venir. Ah bah quand même. Viens mon gros.
Oui, donc pas mal de rayons bleus un peu partout, mais pour y accéder, c'est compliqué. Alors j'ai essayé aussi de retrouver un golem hein, pour bah, vous montrer au moins en vidéo le fait d'en assommer un, mais j'en ai pas retrouvé. Pourtant, il y en a toujours autour de moi, mais bon, après, je pense que le fait que je sois allé dans les grottes, je pense, et dans le désert, fait qu'il y a eu beaucoup de dinos qui ont pop. Et tant qu'ils se tuent pas entre eux, en fait, eh ben, je peux moins faire pop de dinos par ici. Donc c'est un peu plus gênant. Voilà, histoire d'avoir un pilier de plus et de pouvoir m'assurer de pouvoir construire. C'est un peu le souci de l'argile, c'est que ça coûte quand même ça, en quantité de ressources, c'est quand même assez important. On dirait pas comme ça. Et c'est pas aussi évident qu'il y paraît. On va prendre. Normalement, c'est ça. Et je vais avoir besoin d'un peu de ça. Voilà, comme ça je m'assure d'avoir un pilier pour pouvoir terminer. Voilà, qu'elle soit bien ancrée dans le sol. Et théoriquement, je dois pouvoir. Voilà, donc ça tient, c'est très bien. Plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Allez, on va pouvoir passer. Alors j'ai un peu d'argile sur moi hein, de ce fait-là. Alors je sais pas pourquoi j'ai aussi froid que ça. Pourtant j'ai normalement j'ai ma résistance qui est plutôt qui est augmentée, mais ça n'a pas l'air de vouloir faire effet plus que ça. Ce qui m'embête un petit peu. Ok, donc là 1, 2, 3 et théoriquement d'accord, là je suis juste à niveau ce qui est pas top top pour le coup. Je pensais être un petit peu plus haut que ça pour pouvoir faire quelque chose ici. On va peut-être le faire à demi-niveau hein, au final, ce qui serait pas forcément inintéressant. Mais le souci étant, c'est que à demi-niveau. Je réfléchis un petit peu et on se retrouve après pour voir un petit peu les constructions. Parce que là, c'est vrai que je me retrouve un peu embêté. Je pensais être un petit peu plus haut. Mais bon, pas très grave. Donc on se retrouve juste après. Et histoire que j'ai un début de construction en place pour qu'on puisse vraiment. Après, le but c'est d'aller sur la plateforme au-dessus. Hein, donc il va me falloir quelque chose, un entre-deux pour pouvoir ensuite accéder à la plateforme. Et j'aimerais avoir une petite zone pour travailler par ici qui soit plutôt à l'abri en fait, puisqu'on va commencer à faire quelque chose d'intéressant, je pense. Donc voilà, je réfléchis un petit peu, je pensais avoir ma solution et puis je l'ai pas finalement. Donc et on se retrouve juste après, donc à tout de suite. On se retrouve, alors bon, vous voyez que j'ai construit un petit peu quand même. J'ai essayé de faire un truc qui me plaise un petit peu, alors c'est pas évident du tout. J'ai pas mal de murs sur moi, c'est un peu normal puisque là j'essaie de voir un petit peu. Donc je pense que je vais mettre ici l'évolution de l'atelier à ce niveau-là. Alors je retrouverai le nom, hein, on ira quand on le fabriquera. C'est pas très grand, je crois que c'est le fabricateur, hein, je veux pas dire de bêtises. Donc là, ben, forcément, je réaménagerai pour pouvoir fermer ça correctement. Mais mon but, voilà, c'est d'avoir un élément où je puisse fabriquer ici, bon, en étant couvert. Hein, je ferai en sorte d'avoir un toit au-dessus, un truc un petit peu joli, peut-être avec une descente de toit, etc. Et ensuite d'avoir une rampe pour pouvoir aller jusqu'ici, puisque ben, je vais continuer l'élément à ce niveau-là. Un petit peu, donc vous voyez, pour ça qu'il y a des piliers, etc. Et on va pouvoir, comme ça, ensuite passer à l'étage. Donc là, je vais faire en sorte de pouvoir mettre des murs, qu'on ait un truc un petit peu joli quand même.
Le tout ici, quand j'aurai mis le mode que je veux mettre là, on pourra voir ici un petit balcon au-dessus de l'élément de construction. Et le but, ça va être voilà, de pouvoir faire une petite plateforme comme ceci. Alors, je mettrai peut-être une fenêtre ici. Pour l'instant, je sais pas. Le truc, c'est pour rendre l'élément un petit peu joli. Je sais pas encore comment ce sera construit, mais c'est pour vous donner une idée de la construction. Alors, j'ai plus de toit malheureusement, mais on aura un toit par-dessus à cet endroit-là. Ça permettra de pouvoir continuer cet élément-là. Alors, je dois avoir encore un peu la possibilité de pouvoir construire un petit peu. Parce que j'ai de l'argile sur moi. Donc théoriquement, j'ai du bois encore. Est-ce qu'il me faut? Donc il me faut quelques. On va juste s'assurer qu'on ait ce qu'il faut pour pouvoir avancer un petit peu. Deux, qu'est-ce qui va me manquer ici? Du bois. Et de l'argile pour finir. Est-ce que j'aurai assez? Malheureusement, non. Mais je vais avoir des balustrades, donc ça on va pouvoir en faire au moins deux, histoire qu'on ait. Par contre, je suis relativement lourd, je pense. J'ai pas besoin d'autant. Voilà, comme ça on va pouvoir finir la construction. Bon, comme ça je vous ai évité aussi hein, tout le farm qui est lié. À l'argile, parce que sinon c'est pas intéressant pour vous. C'est toujours un petit peu long et pas forcément le plus agréable à voir. Donc voilà, dans l'idée. Donc je commence à avoir un plafond à ce niveau-là. Jusqu'ici, comme ça, on sera couvert. Là, je vais pouvoir continuer le mur. Et je ferai certainement un mur vraiment plus haut de ce côté-ci. En tout cas, moi, il me faut une balustrade pour éviter de tomber. Ça serait très bien. Et des balustrades également de ce côté-ci. Peut-être la mettre ici dans la continuité. Au moins vous voyez un petit peu quelle est l'idée que je veux réaliser. Alors je ferai peut-être un mur ici. En tout cas je pense je vais faire comme j'ai fait de ce côté-ci, mettre de l'ardoise pour avoir un élément un peu plus joli. Ça pourrait être pas mal et puis je pourrais l'augmenter au-dessus, quitte à faire des zones un peu fermées, un grand toit. Pour l'instant je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller. Bah tiens, j'avais des murs et ça tombe bien, je voulais cacher cette zone-là. Comme ça, ce sera pas mal parce que je voulais fermer au-dessus. Donc on fera peut-être une petite zone avec un balcon, ce genre de choses. L'intérêt ici, c'est de pouvoir décorer l'espace et de pouvoir m'assurer que je puisse un peu faire ce que je veux. Voilà, donc ça c'est fait. On va pouvoir mettre en place pour le coup notre élément suivant. Donc ce que je veux pouvoir fabriquer, alors c'est pas au niveau, est-ce que c'est au niveau des structures? Voilà, c'est ceci. Donc il me faut de la poudre étincelle, il me faut du ciment, il me faut du pétrole. Donc la poudre étincelle, 50, j'en ai ce qu'il me faut. Est-ce que j'en aurais pas même là-dedans par hasard? Pourquoi j'ai mis ça là? Ouais, qui sera beaucoup mieux. Du ciment, je dois en avoir. J'en ai refabriqué, je crois. Non, pas du tout. Bah, j'avais de la pierre ici qui était en trop. On va s'en servir pour faire un peu de ciment. J'espère que j'en aurai assez. Sinon, ça veut dire qu'il va falloir que je referme rapidement de la pierre. Mais bon, ça, c'est pas le plus gênant. Bon, allez, peut-être poser l'argile quand même. Je n'ai pas besoin. Mais j'en avais pas de disponible déjà. Apparemment non. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave de toute façon. Je voulais mon ciment qui est ici.
Je dois pas en avoir assez, je pense. Ah, j'ai faim. J'ai pas mangé, oui. Est-ce que tu aurais de quoi me donner à manger? Merci. Ah, c'est vrai que t'as encore du bois sur toi, qu'il va falloir que je transporte. À force de ramasser des choses, je fais même plus attention, j'en ai beaucoup trop. Vraiment. Est-ce que j'avais assez de ciment? Non, je suis à 16. Et je crois qu'il m'en faut 20, donc il va falloir que je ramasse. Oh, merci pour l'œuf d'endur, c'est très gentil de ta part. On va ramasser rapidement avec. Avec Bouboule. Un problème, c'est que la pierre, je suis obligé d'aller chercher de plus en plus loin parce que, bah, à force de la ramasser, elle met du temps à repop. C'est pas une ressource très rapide à réapparaître. Donc, c'est un peu le souci. Je la laisserai bien là ensuite, hein, mais le problème, c'est que, eh ben, ça peut être assez dangereux quand même. Allez, viens avec moi. Manger un bout quand même. Est-ce qu'elle me suit bien la boule? Parce que par ici il y a quelques raptors. Alors je crains pas trop pour la boule qui devrait pouvoir se défendre. Mais bon après si elle se prend, si elle se fait attaquer sans cesse, ça m'embêterait à ne pas pouvoir voir, à ne pas pouvoir la défendre à temps et en heure. Même si le Doedicurus n'est pas vraiment l'animal qui a le plus de soucis à se défendre. Je craindrais bien plus pour le Morellatops par exemple. Puis bon, elle est quand même niveau 61, hein, donc il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. On va pouvoir poser l'œuf de Carnot aussi. Non, c'est pas là. C'est juste faire un peu de ciment. Voilà. Poser l'œuf de Carnot. Et on devrait pouvoir comme ça avoir ce qu'il me faut. Voilà pour ce qu'il me faut. Normalement, en structure, en schéma. Il me manque du pétrole. Alors pour le pétrole, j'en ai ramené. J'ai trois puits qui tournent quasiment à plein régime, donc c'est pas vraiment un problème. Je suis en train de faire de la jerk food toujours pour, enfin de la viande fumée pour pouvoir faire des croquettes plus tard. Donc c'est pas vraiment un souci non plus. Alors voilà, construction réalisée. Alors il me faudra du pétrole, je crois, pour faire fonctionner cette machine là-haut. Il y a certaines ressources qui ne seront utilisées que là-haut, donc ça me forcera moi à me balader un petit peu de partout, mais c'est pas très grave. Alors elle est très très grande, comme vous pouvez le voir. On l'avait pas fait. Voilà. Comme ça, elle sera cachée. Elle reste sous un abri. Et donc dans cette machine-là, on va pouvoir fabriquer plusieurs choses, notamment ici. Alors il me faut un lingot de fer, du ciment, de la peau et du polymère. Donc il faut que j'apprenne au moins le polymère. Je l'ai pas appris, polymère. Et il faut de l'obsidienne et du ciment. Bah ça tombe bien, j'étais en train de faire du ciment, donc. Et je pouvais pas apprendre du pétrole ou de la gasoline. Bocal de pétrole. Ah non, c'est pas vraiment ça. Est-ce que je cherche ou de l'essence? Est-ce que c'est pas essence? Non.
que il me semble que certaines ressources ne fonctionnent que au pétrole, mais je crois pas qu'on doit, il me semble pas qu'on doit mettre du pétrole brut dedans. Donc de l'obsidienne, j'en ai ici, on va récupérer. J'ai plus de ciment, ça c'est un peu plus gênant. Qu'on puisse au moins fabriquer la gourde, et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Moi je vais continuer d'essayer de faire le tour un petit peu pour voir si je trouve des golems ou quoi que ce soit. Pour qu'on puisse essayer de les attraper. Dans le centre d'usinage. Bah, on est dans le centre d'usinage là, non? Pas un centre d'usinage ça? Alors, il me manque quelque chose. On va redescendre un petit peu parce que il me faut quelque chose pour le faire fonctionner. Alors normalement de l'électricité, je pense, mais pas que. Et mon centre d'usinage. Est-ce que je trouve pas ce que je veux? Alors, normalement, ça va être. Voilà. Donc le centre d'usinage normalement est avant. Et j'aurais dû avoir les ressources qui vont avec le pétrole. Ah, je suis ici. Est-ce que je retrouve pas ce que je veux? Le centre d'usinage est là, mais il faut bien quelque chose pour le faire fonctionner normalement. Je l'ai bien appris. Qu'est-ce qui me manquerait pour pouvoir faire fonctionner? Si après, bon, l'électricité, ça je peux, mais je voulais la mettre sur le dessus du bâtiment. Le générateur électrique, je veux bien. Est-ce qu'il faut que je mette le pétrole comme ça brut dedans? Bah, il est bien là le pétrole. Ah bah attendez, est-ce que j'ai carburant là-dedans? Ah d'accord, ok. C'est dans le mortier pilon, donc du soufre, du cactus. Ah bah d'accord, ok, ils ont changé l'élément. C'est pour ça que je ne retrouvais pas. Donc on va essayer de fabriquer un peu de carburant rapidement. Comme ça au moins on aura vu le fonctionnement. C'est vrai que j'avais jamais testé de fabriquer, parce que généralement je reste aux flèches, donc j'ai pas besoin de plus. Tiens, il y en a des écousses qui sont juste à côté. On tentera peut-être dans l'épisode prochain, tant que j'ai pas trouvé. Parce que j'ai des carottes maintenant, donc on devrait pouvoir plus facilement tame les écousses. J'ai du soufre aussi, je l'ai rangé, donc on va pouvoir fabriquer comme ça du carburant rapidement. Sera beaucoup plus simple. Avec quoi je pourrais le fabriquer? On va le fabriquer là-dedans, le carburant. J'ai pas appris le carburant? Bah non, si je la prends pas. Donc il me faut du soufre. On va la prendre ici, ça sera pas mal. Ouais, fabrique-en le maximum. Qu'on puisse aller fabriquer notre polymère, etc. On va en prendre
4 et puis on viendra chercher le reste. En plus, il faut fabriquer que 6 plaques de polymère, hein, si j'ai bien regardé. Donc, on va mettre le carburant. Il me faut 10 de polymère, pardon. Ok, donc. Pourquoi je peux pas? Bah, il est bien là le carburant. What? Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, on le fera dans l'épisode prochain, c'est pas très grave, je vais me renseigner parce que là je me perds tout seul, c'est un peu dommage. Bon, en tout cas on a notre centre d'usinage, on peut fabriquer du carburant donc je pourrais en mettre, c'est pas un problème. Il me semble on doit pouvoir mettre l'électricité aussi. Après le souci sur Scorcher c'est que ben, vous avez pu voir hein, l'électricité et du moment qu'il y a un orage électrique, vous ne pouvez plus utiliser l'électricité donc ça vous bloque un petit peu quand même pas mal sur la production. Mais c'est pas trop grave encore, on devrait pouvoir s'en sortir. Ah mince, j'ai pas fait attention. Il est encore en train d'en fabriquer. Donc sur ce, ben, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, partager la vidéo. Me donner des conseils si vous en avez. Moi ça me dérange pas. Donc dans l'épisode prochain, on regardera le fonctionnement du centre d'usinage. Et on regardera également pour essayer de tam les cousses qui traînent juste là-bas derrière. Histoire que on puisse se marrer un petit peu. Parce que les cousses, c'est particulier à tam. Vous allez le voir. J'en ai tam, j'ai essayé d'en tam plusieurs. J'ai arrêté en milieu de tam pour pas le faire sans vous. Donc voilà. Donc sur ce, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!